أبنائي التلاميذ، أولياء التلاميذ، سلام الله عليكم. في هذه الحصة on va faire une science de conjugaison. C'est bien le passé composé. T'arrives, t'as le passé composé. L'action est précise, est achevée. يعني الحركة أو الفعل يكون دقيق وكامل. قيام بالحركة كاملة. قاعدة، وهذه القاعدة لازم تشدوها ولازم تحفظوها. Alors, c'est quoi le passé composé? Hadi, bon, je fais comme ça, passé, donc passé, composé. C'est quoi un verbe conjugué au passé composé? Donc, il a servi le verbe au passé composé, wesh ndiru. Khalant tqol qaida, wesh tqol qaida? Il y a une qaida, c'est la règle. C'est l'auxiliaire être ou bien avoir. Hadou les deux verbes conjugués au présent. Il y a une fal hava. Déjà, comme havenoum, il y a une haja, c'est au présent de l'indicatif. Plus. Le participe passé du verbe conjugué. هذا le participe passé ترفير المتصرف يعني سهل مش صعب. Donc, راح نطبقوا هذه القاعدة وهذه القاعدة ما هي صعبة. Voilà, le verbe être. Au présent, je suis, suis c'est S-U-I-S. هذا c'est un rappel du laboratoire خفيفة. Tu es ES, il ou elle est EST, nous sommes SO2MES, vous êtes E accent circonflexe TES, sans SONT. Hadi, les autres que l'on a fait là. Les mots que l'on a fait là, la bouteille a fait la bicéphalie. Rôle avoir. Avoir, j'ai, a-i, c'est le verbe avoir conjugué avec je, j'ai, apostrophe, a-i, tu as, a-s, il ou elle, a, nous avons, nous a, avec zaza, il y a une dernière vidéo passée, avec le s, c'est la liaison avec a, nous avons, le s, c'est nous. Lorsque je fais la liaison, ça me dit que je, nous avons. Avant, A-V-O-N-S, vous avez, A-V-E-Z, ils ont O-N-T. Donc, le verbe être et avoir, l'auxiliaire être. De toute façon, pas de faire que c'est quoi le verbe et l'auxiliaire. Les auxiliaires être et avoir, les autres nous avons non. On peut dire les verbes ou les auxiliaires. Voilà, nous avons deux phrases. Yassine a un vélo. Yassine a acheté un vélo. Là, Yassine a un vélo. عنده دراجة. Yassine اشترى دراجة. Yassine a un vélo. Là, a il est tout seul, wahdo. Donc, hada, c'est le verbe avoir. Yassine a acheté un vélo. Lahna, le verbe avoir, mais le participe passé du verbe acheter. Kain, le participe passé. Donc, hada, l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire. L'auxiliaire être et avoir. Donc, je vous le participe passé. Haka ben, je vous le qaïda. Le participe passé, yani, nous avons le verbe. Ma femme, exemple, nous avons un verbe du premier groupe, il faut dire l'ouvre. Ma femme, marcher. Là, le participe passé, tel le verbe marcher,
C'est marcher, tout simplement. Weshendir. Je supprime l'infinitif. Hadi. On dit eh. Donc, weshendir. Tous les verbes qui finissent par er, les participes passés tahum, eh. E accent aigu. Même le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Même il finit par l'infinitif er, il dit eir, c'est un verbe du deuxième groupe. Eh ben, le participe passé tao, regardez bien, il y a ir, donc fini. Il y a i à la fin. Donc tous les verbes, l'ikimlouk, l'yandoum, l'infinitif, qui ont l'infinitif ir, le participe passé tao, ikimel bel i. Les verbes du troisième groupe, itbedlou, ça dépend. Lana, lazem, tahavdouhoum. Notre commun ici, donc, lana, attendre, et ben, le, re, ou la dre, ou le re. Lana, le participe passé, c'est u, attendu. Prendre, chauffer lana, n'jibou le dre, ou bien re. Lana, pris avec s. Pouvoir. Lire, à chauffeur. Lu, yani, les verbes du troisième groupe, c'est un peu difficile, je suis assab. Lana, les hommes trouvent sur les hommes, faut qu'un mot, c'est un l'oral financier. Maître, mi, avec S. Le verbe faire, fait, avec T. Donc, Belmoulaja, Inch'Allah, tout le ta'afour. Voilà, j'ai pris donc il y a trois verbes. C'est un exemple. Ramasser, c'est un verbe du premier groupe. Parler, qui a l'infinité finale de ER. Et finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, le premier et le deuxième, en dehors de l'infinitif ER, ce sont des verbes du premier groupe. Et finir, c'est un verbe du deuxième groupe. On va conjuguer les trois verbes au passé composé. Donc, tout d'abord, on va chercher les participes passés de chaque verbe. On a gouna, ramasser, gouna le verbe d'indou l'infinitif er, le participe passé ta onzi doulou et. Même, regardez bien, parler. Le participe passé tao, il y a ER, donc c'est parler avec E. Le participe passé, tu as le verbe du verbe qui a l'infinitif IR qui va finir, l'ana I. Chez Prana, il reste l'auxiliaire avoir ou l'être. Quinze juges halet, le halet c'est là, il t'a telmi, tel tidei, a basi, ta basita. Tout le monde, vous allez prendre les deux auxiliaires. Ma fala de goul, j'ai ou je suis. Haoul ma j'ai, haoul ma je suis, ou zid le participe passé. L'idée que vous voulez mon mot, yanni, dire. Alors, wesh akoul. J'ai ramassé ou le je suis ramassé. Hakikaten, hanan milou ma, j'ai ramassé, y'a, j'ai yachfifa ou j'ai yamakboula. J'ai ramassé. Donc, je suis Jay Schwertela. J'ai parlé ou là je suis parlé. La fin, j'ai parlé. La même chose. J'ai fini ou là je suis fini. J'ai fini. Yanni, Damon Milou, l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Dik plus simple, dik fifa, dik makboul à l'auxiliaire être. Un deuxième cas, halaf thania. Halaf thania, halaf thania, est-ce que le verbe à ramasser est le transitif ou l'intransitif? Il y a les transitifs. Transitif. Ou le verbe intransitif,
Donc le verbe transitif, c'est quoi? C'est un verbe qui est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Ou le verbe intransitif, mais il n'a pas de complément d'objet direct. Ou il n'a pas de complément d'objet indirect. Je ramasse, je conjugue le verbe au présent. Je ramasse les cahiers. Je ramasse quoi? Les cahiers. Les cahiers, c'est un complément d'objet direct. Donc, ramasser un verbe transitif. Ou les verbes transitifs, au passé composé, Yanni, ça vaut mal auxiliaire, avoir. L'aglabia, l'akfaria. Hadjaklila, les vraiment, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Mais l'aglabia, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vous parlais, je parle à mon frère. Je parle à qui? À mon frère. À mon frère, c'est un complément d'objet indirect. Donc, là, elle va parler, elle est transitive. Madame, elle a le complément d'objet direct. Ou elle a le complément d'objet indirect. En gros, c'est un verbe transitif. Oui, ça revient à l'auxiliaire avoir. Qui est maintenant, j'ai parlé. Fini. Je finis. Le devoir. Je finis quoi? Le devoir. Le devoir, c'est un complément d'objet direct. Donc, finir, c'est un verbe transitif. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, un exemple d'un verbe, li, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Un verbe intransitif. Rester, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Allez être, parce que il est intransitif. Le verbe transitif se conjugue avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Et bien, le verbe intransitif se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis resté. Je suis resté. Et rester, c'est le participe passé du verbe rester. Être ou les. Cela veut dire c'est un verbe pronominal. À la pronominal, vous avez le verbe l'icône, vous avez un pronom, c'est un pronom réfléchi. Donc, ce, qui coule, c'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. C'est un verbe dire je, ce, il y a le je me, on dit l'auxiliaire être, on dit l'auxiliaire avoir. Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je me suis lavé. Le participe passé du verbe laver. Parler, c'est un verbe transitif. Je parle avec mon frère. Avec mon frère, c'est un complément d'objet indirect. Je conjugue le parler au passé composé. Donc, avec l'auxiliaire avoir, nous sommes l'auxiliaire avoir à dit. J'ai, tu as, as, il ou elle a, nous avons, c'est l'auxiliaire, le verbe avoir, l'auxiliaire avoir au présent, vous avez, ils ont. J'ai parlé. Parler, c'est le participe passé. Maintenant, de ER, on dit le E. J'ai parlé et. Donc, tous les participes passés, les ramolana, ils doivent et. La cabelle, le participe passé, ne s'accorde pas au sujet. Alors, la cabelle, il est employé avec l'auxiliaire avoir. Quiconque employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas au sujet. Il est quand même le sujet pluriel. Mais qu'est-ce que S? Il a quel féminin, Mazidou, Tlokimara. Toujours, et voilà. Même nous avons, toujours, pluriel, et. Vous avez parlé, et. Ils ou elles ont parlé, et. Pareil.
Rester, c'est un verbe intransitif. Alors, maintenant, je fais complément d'objet. Dire, je fais. Alors, quand même, je reste à la maison. À la maison, c'est le CCT ou le CCL, le complément circonstanciel de lieu. Circonstanciel de lieu. Donc, il n'a pas de complément d'objet direct ou indirect. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Être. Je suis, donc, ça faut le verbe être qui m'a dit là, dit, je veux, je suis, tu es, es, il ou elle est, est, nous sommes, s, o, 2, m, es, vous êtes, e, accent circonflexe, t, s, il ou elle sont. Rester, le participe passé théo, et. Ah ben, fait l'infini, e, ah, là, non. Le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Là, non, le participe passé s'accorde. Il est je féminin, il a qu'un paflatada. Il a qu'un je féminin. On dit de l'E. Ou il a qu'un masculin. Mais qu'un je E. Donc, je ne dis pas le féminin. Mais c'est Dalila qui part. Je suis resté. Et E. Allez, ETH, t'es féminin, rester s'accorde au sujet. Alors, la rébelle, elle est employée avec l'auxiliaire être. Ma avoir, il ne s'accorde pas. Mais ma être, il s'accorde. Tu es resté, et, oui, la gouna n'a d'où ma cache bintou là, il est resté. Il y a et, le participe passé s'accorde au sujet, il est employé avec l'auxiliaire être. Ou هذا masculin, donc خلو et مزيد والو. Ou il a gouna, elle est restée. Attention. Ici, rester s'accorde. S'accorde au sujet. Le sujet, elle a fait le féminin, elle. Donc, on dirait, et à le participe passé. Samholé. هذا, avec et à le participe passé. Et t'as le participe passé. Ou le t'as féminin. Aussi le verbe t'as féminin. Voilà, c'est le participe passé du verbe rester. On dit où le t'as féminin. Singulier. Donc elle est restée et e. Nous sommes restés. Attention, Lana. Nous sommes restés. Il est quel nous encore quel moment car masculin. On dit et. Hada t'as le participe passé. On dit d'où est un pluriel. Oui, donc il est nous. Nous sommes restés. Et du participe, et c'est le du participe passé. Il est le participe passé s'accorde au sujet. Il est employé avec l'auxiliaire être. Donc est du pluriel. Oui, là, quand le film est nous, on dit d'où le tous les attends. Tous les e, m'a dit d'où est. Vous êtes resté, donc, et du participe passé, et zidoul s du pluriel. Ils sont restés, donc, et le participe passé s'accorde, il y a s. Elles sont restées, elles, c'est féminin. Pluriel. Sans, c'est l'auxiliaire être. Rester, c'est le participe passé. Donc, le participe passé avec et. Mais le participe passé s'accorde au sujet. Féminin, e, pluriel, s. Voilà. Je suis resté et tu es resté et il est resté et elle est restée et eux, nous sommes restés et s, vous êtes restés et s, ils sont restés et s, elles sont restées et eux. Je pense que vous avez compris à la belle vidéo, je suis à toi. Al-Mohim, tu connais un tout. Si vous avez des commentaires, salam alaykoum. Il faut s'attendre à des bains, inshallah. Donc, abonnez-vous. يعني اشتركوا بيوصلكم جديد وإلى الفيديو عجبكم ديروا لايك
ما عجبكمش ما ديروش لايك. السلام الله عليكم.